Passage sur la carte lors de la visite guidée.
espace avec deux générateurs à chaque fois, proposant un gameplay avec deux arènes A et B, et un troisième espace avec des pièges à déjouer, la zone C. Grâce à l'énergie produite par la centrale, le joueur débloque des bunkers dans les quatre cartes. Il avait aussi envie d'apporter un sentiment de découverte et de mystère avec ces bunkers abandonnés depuis des décennies. De plus, il s'offre des intérêts stratégiques en multijoueur avec des raccourcis pour surprendre l'envahisseur. Sylvain a aussi créé un petit challenge sur le complexe le soir. À cette occasion, la map entière est consacrée à ce duel contre Egor et aux éventuelles invasions de joueurs adverses. Ses attentions pour la préparation à ce duel étaient une carte avec une faible présence humaine. À la place, on retrouve des pièges, mines de proximité, mines laser, s'il se fait voir ou fait le moindre bruit. Dans le cas où le joueur se fait repérer, Egor va alors anticiper son arrivée et bénéficiera d'atouts importants. C'est un très bon tireur et il a la capacité de se rendre invisible pendant un laps de temps. Le combat prend alors place dans une cuvette naturelle qui donne un avantage certain. Aussi ne pas se faire détecter et éliminer Egor silencieusement. La piste de Egor. Combattre directement Egor permet de récupérer son arme et son pouvoir. Mais pour progresser dans la campagne de Deathloop, le joueur doit suivre les pistes de chaque fondateur pour résoudre l'enquête dans son ensemble et briser la boucle temporelle. Sylvain était responsable de la piste d'Egor. La tâche qui lui a été confiée était de créer une enquête faite d'une succession de connaissances acquises et d'actions réalisées par le joueur, afin d'amener Egor à changer ses habitudes pour qu'il ne soit plus au complexe le soir, mais à Updam, à la soirée d'Alexis. Il ne fallait pas que la solution soit trop triviale, ni qu'elle puisse se trouver par hasard, sans que le joueur ne s'en aperçoive. La création de ces enquêtes se faisait en parallèle du développement des personnages par l'équipe de narration, ce qui les a amenés à collaborer sur les traits de caractère d'Egor et ses habitudes. Ils ont alors fait d'Egor un personnage réservé et excentrique qui consacre sa journée à l'étude de phénomènes paranormaux auxquels personne ne croit à part lui. À cause de ses recherches, qu'il estime fructueuse, il s'isole sur le complexe le soir. La résolution de la piste consiste dans les grandes lignes à saboter ses travaux pour qu'il n'ait plus qu'à se rendre à la soirée d'Alexis pour se consoler, permettant aussi aux joueurs de faire d'une pierre deux coups. C'est la piste qui avait été présentée dans le trailer du PS5 Showcase du 16 septembre. Succession.
s'assurer que la progression fasse sens à n'importe quel moment et dans n'importe quel cas de figure. Il a travaillé sur ce sujet avec Dana Nightingale, campaign designer sur Deathloop. Elle a rassemblé et uniformisé toutes les pistes pour constituer la campagne. Il a aussi travaillé sur la réalisation de script de cette piste.
Grèce.